Et salut tout le monde, c'est Brudaf, toujours en compagnie de Choupiti. Coucou Choupiti! Coucou Brudolf! Et nous sommes toujours sur Wildmender, où j'étais mort comme un caca. Je vais aller récupérer mon corps. Bah moi je fais du rangement, j'essaye de mettre les choses dans des paniers pertinents pour qu'on s'y retrouve un peu. Voilà, du coup. Laissez-moi récupérer mon corps, bande de cristal maudit. Je veux pas, je veux garder Brudaf pour moi, moi. Bon, c'était pas très démoniaque comme rire, ça. Ouais. Et du coup, il reste quoi ici? Oh là, il reste encore plein de trucs. Voilà. Et tout récupéré. Bon. Maintenant, faut que je vienne. Alors, du coup, je continue mon rangement. Du grès, du grès, du grès, du silex, du silex, du silex. Elle est où la porte? Elle est encore au-dessus? Non. Faire, c'est mettre les trucs un peu plus précieux dans un autre coffre. Elle était là. J'aurais pu ne pas mourir du coup. J'ai pas trouvé la porte. Ah merde! Ouais, je suis mort en la cherchant, donc Oh! là je l'ai retrouvée. Bah tu sais quoi, moi je vais déjà aller m'occuper avec mes fleurs avant qu'elles pourrissent. Et après je te filerai les tiennes. C'est trop gentil, je vais avoir des fleurs. Ou alors tu peux venir directement à Street, hein, et je te les filerai sur place. Je peux, je peux. Il y en avait, c'est des fleurs tombantes chez Sérieux? lui. Oh, je les ai pas Il y en a vues. plein. Ben, elles ont pas apparu tout de suite, je pense. Alors, hop. La cape devrait à présent vous permettre de fendre l'air comme un oiseau. Et on peut encore lui refiler des plumes. Plein de plumes. Donnez-moi des plumes. Sachez toutefois que la cape n'est toujours pas achevée. Bah comment ça? Avec quelques perles et plumes supplémentaires, je pourrais décupler sa puissance. Oui, bon, on va se calmer avec les perles, hein. Bon, bah, moi je rentre parce qu'en plus je suis encore empoisonné. Mon inventaire il Et tu ressemble peux pas choisir trop. n'importe quelle fleur là de qui va bien. T'as celle du marais chez lui et tu as les splendides de la lune. Ah. Du coup, faut quoi par les fleurs? Les perles. Des perles. Tiens, t'es là. Des perles. Non, je suis pas là. Bon, je m'en fous, hein. C'est pour toi que je te file les fleurs, hein. Alors, tiens, je vais te filer ça. Jeter F. Voilà. Merci. De rien. Et du coup, des perles.
Hop là. cela. Allons voir, allons voir. Alors du coup, t'as dit qu'il y avait les splendides de la lune chez lui. Les splendides étoiles tombantes. Et apparemment, elles fonctionnent aussi. Parce que moi, il me laissait le choix entre les deux. Ah oui, j'en vois. Oh. Ouais, va pouvoir planter plein de fleurs d'étoiles tombantes. Non, c'est pas ça. Tu peux si tu veux, mais... Choses ici qu'on n'a pas ramassé. Du silex, du grès et une essence. Ouais, enfin le grès en même temps, on en manque pas réellement. Oh, mais tu vas voir quand faudra s'amuser à tout améliorer les sources, on sera bien content. En vrai, je sais même pas s'il y a besoin de toutes les améliorer. Je sais que... À un moment, Naya va nous demander de restaurer la nature, bien évidemment. Parce que c'est Naya. Mais je sais pas s'il y a besoin que les sources soient level max en termes d'agrandissement de sources. Il y a des tombes qu'on pourrait aller chercher. On voit 3. Oh, c'est marrant, du coup je l'ai plus la quête. Et si... Ah ou alors peut-être que ça le fait pour nous deux, ça m'étonne, mais... Bah ouais, ça m'étonne aussi, mais... En tout cas, je peux faire que des plumes chez lui, donc bah. Écoute. En construction, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Pas grand-chose de nouveau. Du coup, Naya avait dit qu'elle voulait nous voir. Alors, on va aller voir Naya. Ok. Oui, coucou Naya! Attends, moi, faut que je trouve le portail dans notre bordel. Oh, je peux peut-être poser ma grenouille chez Naya, ça sera marrant. Voilà. Coucou Naya, je te laisse une grenouille. Alors, qu'est-ce qu'elle nous voulait, Naya? Bienvenue, je suis heureuse de te voir. Elle parle plus vite, la vieille. Je vois que ton jardin évolue très joliment. C'est pas ma faute. Peut-être pourrions-nous diversifier notre activité. Vous pouvez éviter de faire la sieste entre deux phrases. Les plantes ont des connexions différentes à la vie, à l'essence, aux esprits, au mana.
Je crois qu'une autre créature a elle aussi développé ce lien avec le monde. Les bleus follets, ces petits êtres revenus du monde des esprits, sont pleins de surprises. Ils ont trouvé une manière de ramener des plantes jusqu'au monde des vivants. Si tu arrivais à trouver l'une des étincelles de vie qu'ils génèrent parfois, je pourrais en faire quelque chose. Évidemment, la priorité reste notre problème de spectre. C'est tout? Ouais, on va pouvoir récupérer les étincelles de vie de bleu follet. Ah, je vais les écorcher jusqu'à ce qu'ils nous enfilent. Bleu follet. T'entends ça, grenouille? Oh. Ah bah attends ce que je lui ré... de savoir ce que je lui réserve à la grenouille. Mon pauvre grenouille. Attends, ils sont productifs ou ils sont morts? C'est simple. Alors des bleus follets, on en a à la maison. Oui, on en a au moins à la maison. Au moins. Vite, vite. Allons le voir en premier. Tu vas égorger le bleu follet! Non! Il est là! Il est là! Mais le broubrou, il est pas en train de l'égorger! Non, je le voyais pas. Ah, il faut un gland. Je présume que t'en as sur toi des glands. J'ai pas de gland sur moi, j'ai pas de gland, quelle est cette hérésie? Grenouille, grenouille, donne-moi un gland. Arrête de te cacher, grenouille. Je sais que t'es là. Donne-moi un gland. J'ai des glands. Voilà, pas de gland, ma grenouille. C'est une honte. Après, c'est pas des glands normaux, mais ça devrait le faire. Oui, ça le fait. Ben voilà, il fait une étincelle et puis il veut plus rien faire. Il veut plus rien faire. Même pas le taper. Bon. Où est-ce qu'il y a du feu follet? Ah, là il y a un hôtel dans les salines qu'on n'a pas restauré. Oh. L'hôtel Darks. Ah oui, mais c'est peut-être après ça. Et par contre, là, il y a un autre téléportail. Le portail Signe, tu l'as pas fait. Semblait. Non. Ou alors, il y en a deux, mais il y en a un sur une colline, là, et il est pas fait, il y a une source d'eau à côté. Bah, c'est une hérésie. Et bah, je vais aller le voir. Je lui mets plus ce qu'il faut pour leur. Si beau le lever de soleil. J'en profite pour retirer les gammas. On va aller boire un coup avant. Ah bah si. Je sais pas pourquoi je le voyais apparaître en mode détruit, mais. Ok. Commence à les nettoyer dans les ravines. Ouais. Si tu veux te joindre à moi. Je veux bien me joindre à toi.
T'as choisi un TP? Ouais, celui qui est dans les dans la ravine, justement. Parfait. Et je vais essayer d'aller voir ce téléportail-là et le raviver. Ah, je... Donc, un petit chou de mon eau et j'arrive. Je cours. Alors, portail agate. On a droit à des pierres précieuses. Ah, c'est toxique par ici. Ouais, un peu, ouais. Là, il y a une source de toxique. Ok, on n'a rien. Voilà, dû faire des portails. Finir par crever. Bah, il est actif ce portail, non? Émeraude brisée. Mais que je peux quand même l'utiliser, on dirait. Ah, faut du bois. Y a pas trop de bois dans le coin, je crois. Hein. T'aurais du bois, toi? Attends, y'a un coffre ici. J'ai du bois. Il te faut. T'as un gland? Non, j'ai pas de gland. Bah écoute, je vais te prendre ton bois alors. Ou de l'obsidienne. Je t'ai posé plein de bois. Hop là. Fabriquer. Voilà. Punaise, je suis encore empoisonné, quelque chose de bien, moi. Ah bah, pareil, hein, là, c'est l'air qui est méchant avec nous. Du coup... C'est quoi ça? La porte de la ville, on pourrait essayer d'aller à la porte de la ville. Il y a un autre portail là-bas. Bah soyons fous! C'est par où? C'est par là, je crois. Ouais, plus ou moins. Ok, c'est censé être ça. Ça a l'air légèrement dangereux ici. Faut traverser le pont normalement. Le grand pont. Ah, y a un esprit. J'ai presque plus de vie. Ça va bien se passer. Non. Oh non. La toxine envie toute la ville et il peut pas ouvrir le portail. Une rune du portail sous prétexte qu'elle avait besoin de réparation de urgence et puis... Et puis il est pas reviendu. À la base des... Un entrepôt à la base des canyons.
Merci, madame. Ah, des infusions, ouais. Alors, je bitis, tu partages, hein. Bah, m'en donne qu'une, donc je vois pas trop comment je peux la partager. Ah, la vilaine, on n'en a donné qu'une. Et du coup, le portail, lui, il est censé être... Ah, il est juste en dessous. Ah oui, mais j'ai toujours pas de gland. T'as un gland, toi? Oui. Je te redonne un peu de bois. Bah, je dois avoir encore du bois. Il est en dessous, tu dis, le portail? Au pied du pont. Crash, je suis pas passé du bon côté. Non. Moi, j'ai une espèce de porte rose là. Bah, j'ai une espèce de porte rose aussi, mais il y a un portail à côté. Bah écoute, je vais essayer de remonter au-dessus du pont. Passer de l'autre côté. C'est pas des chaînes, En ça. crever. C'est pas des chaînes. Ça donne pas ce qu'il faut. Ah, ça c'est un chêne, ça va peut-être donner ce qu'il faut. Ah non, ça sort ce bois aussi. De loin, ça ressemblait à un chêne. Non, il y a que des Celui-là. sources de bois. Il me manque un bois. Meurs pas, Broubrou, je te donne le bois. Merci. Et voilà. Ah oui, C'est quoi tout ce nos qu'il y a PV là-bas? sont bas. Nos PV sont bas. Ah bah moi j'en ai plus de PV. Moi, je vais rentrer. Mais j'ai l'impression qu'on ne meurt pas du poison. Oh, tu crois qu'on pourrait ne pas mourir du poison? Bah écoute, ouais. Oh, ce serait buggy, mais marrant. Oui, par contre, après, si tu peux te faire tuer... la moindre pichenette. Intéressant, intéressant. Ah, un fruit lanterne. On n'avait pas eu ça encore, je crois. Non, je crois pas. Et je vais me faire bolosser par des herbes. Plein de trucs à ramasser, mais c'est bourré d'herbes qui roulent. Pas forcément une bonne idée d'aller par là. Est-ce que je peux avoir des glands, le jeu dit? J'aurais bien un petit gland ou deux ou trois. Aïe, les herbes!
On a pourtant planté des chênes, je suis pas con. Oui, on en a planté plusieurs même. Grenouille, donne-moi des glands. Bah t'as pas de glands. Voilà. Bon, moi j'ai rempli les sacoches. Ah, un parchemin. GG. Du coup. Ok, mon sac est plein. Mon sac est plein. Comment ça, mon sac est plein? Qu'est-ce qui s'amuse à remplir mon sac? On va rentrer à la maison. On en a deux ici, des grenouilles. C'est trop. Ils ont quand même pas ce que je veux. Je veux des glands. Des glands. Eh oui, chêne ancien. Donne-moi des glands, chêne ancien. Ah oui, toi aussi t'es un chêne ancien, donne-moi un gland. Alors, ici. On doit en avoir dans les coffres. On va aller planter la lanterne. Ah non, on peut pas la planter. Quoi? Tu peux que la manger. Ça redonne quoi ce truc-là? Ça fait perdre de l'eau, ça empoisonne, ça donne 3 points de vie et 3 points de nourriture. Bof. Il n'y a même pas de gland ici. Un fruit rare dont émane une étrange lueur. C'est marqué. Mmh. Et Chobiti, elle s'en cogne et cherche des glands. Après, on va forcément trouver quelque chose d'en faire, mais... C'est vrai que si à manger, c'est pas ouf. Bah, je pense que c'est aussi parce que c'est sec. Ah! Ouais, j'ai des glands, moi, si tu veux. Ouais, je suis étonné que j'en trouve pas plus naturellement chez nous, quoi. Putain, c'est plus ça qui me choque, en fait. Glands. Je suis pas spécialement pressé, hein. Je vais les attendre mes glands.
Coucou grenouille. Et je vais faire des cataplasmes surtout. Si on doit retourner. Bonne idée, ouais. C'est où les cataplasmes qu'on les fait établi, mais il est où? Il est là. Moi d'abord. Elle est méchante avec moi. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas prié là. Hop. Des enchantements proto. Ah, une outre d'ambre. Ouais. Ça peut être bien à faire. Ça augmente la capacité. Et le miroir de cristal. Ah, bah moi déjà, je vais m'occuper de ça. De pierre de cristal et du cuivre. Alors. C'est-à-dire que du cuivre, on en manque pas trop, quoi. Non. Et t'as dit on peut faire le miroir de cristal avec des pierres de cristal et du cuivre. Cool, cool, cool. Si je retrouve ça dans le bordel qu'on a. Normalement j'ai essayé de ranger ça, alors pas forcément intelligemment, mais. Au moins de sorte que le cuivre soit avec le cuivre et. Voilà, c'est parfait. Voilà, et l'outre, il va me falloir des fibres et de l'ambre. Plein de grès, j'ai plein de silex, je vais mettre tout ça là, j'ai des choses sèches que je peux mettre ici, ça je peux le ranger, ça le peut ranger. Rangeons ça, rangeons ça. Compost, c'est l'établi qui est là. Ah ouais, on passe de 75 à 125 avec le nouvel outre. Ouais. Et ça, c'est plutôt pas mal. Si j'arrêtais de me bloquer dans l'arbre, ce sera encore mieux. Bah c'est parfait tout ça. Ah, il y a des tombes qu'on n'a pas fait. Je prie un petit coup. Il y en a trois, ouais. Et moi, je voulais faire des cataplasmes parce qu'il est toujours pas fait. Si je retrouve l'établi. Tombe brisée, de l'épine et de la barante. Oui, bah ça devrait être faisable. Il suffit de les retrouver. Des gousses d'aiguilles. Des guépines et des fibres végétales, ok. Amarante sur ce bois et du rouge. Oui, ça aussi, ça doit être faisable. Du bleu ciel, de l'amarante et du régionnant. Bah, ça aussi, c'est faisable. Du blanc, de l'amarante et de la fleur d'étoile tombante. C'est un petit peu plus compliqué, mais ça doit être faisable aussi. Mmh.
J'ai quoi dans mon inventaire? J'ai pas d'épines dans mon inventaire. Non. Des guépines, c'est bon. Maintenant, il faut que je retrouve encore ce foutu. On a dit sur ce bois. Ah, faut mettre des lampes ici, hein. On s'y retrouve pas la nuit. Mais oui, mais tu les allumes pas après. Non. Attends, je bah, les lampes, elles s'allument toutes seules, non? Non, elles s'allument pas toutes seules. Il me faut du raisonnement. Donnez-moi du raisonnement. Vous avez pas de tige de raisonnement, les gars. Vous êtes pas suffisamment mûr. Sérieux. Est-ce que ma grenouille a des tiges de raisonnement? Grenouille. Grenouille. Je suis coincé, grenouille. Le cataplasme, ça joue sur le poison. Parce que t'as l'infusion brillante qui fait contre le poison. Le cataplasme, il prend 42 santé, c'est tout. D'accord. Ah, c'est l'infusion pour le poison. Pour ça, il me faut des champignons barbaracines. Du coup, je voulais du raisonnant et toi, t'en as pas. Mais on a une deuxième grenouille, donc. Juste que je la retrouve. Elle passe dans mon dos, la veule! Eh oui, elle a plein de raisonnants! Mangeuse! Ah oui, il faut du rouge aussi, j'en ai qu'un rouge là. Et l'autre grenouille, elle avait pas de rouge. Elle est déjà partie, l'autre grenouille. Grenouille! Reviens! Non, t'as pas de rouge, t'as du rose. T'as pas de rouge dans ta bouche. Voilà. Oui, on en a dans le coffre du rouge. Allez. Je suis folle, je vais faire les offrandes pendant qu'il fait jour. Et si tu gardais ça pour le prochain épisode? Parce que ça fait déjà 40 minutes. Oh là là, déjà, mon dieu! Eh oui. Oh là là. Le temps passe vite quand on s'amuse. C'est à toi de dire au revoir ou c'est à moi? Je sais plus. Je sais plus non plus. Je crois que c'est à moi. Alors, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à aller voir la vue de Chobiti pour avoir planté des herbes et n'hésitez pas aussi à mettre des messages et des pouces bleus et à partager des vidéos et on se retrouve très bientôt. Allez, bye bye. Bye bye les gens, bye bye Bourdaf. Bye bye Chobiti.